Par contre, on repart de nuit là. Est-ce que c'est le bon bail? Tu me diras, ah, il non, va mais... faire jour au bout d'un moment. Il est quelle heure? Il est 4 heures. Bah, il va pas oui, tarder à faire jour, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon, on dort pas. Bah, franchement. Hop, petite torche. Vas-y, allume la tienne pour voir. Est-ce qu'il y a un visuel ou pas du tout? Bah, la mienne est allumée, mais toi, je te vois pas avec ta flashlight, hein. Ouais, non, on la voit pas, ok, à l'autre. Ok. Allez, c'est parti. Donc, quête principale. Et du coup, c'est à 138 mètres là-bas. Ah, mais attends, mais on... Ah oui, d'accord, il y a déjà des... Ah bah, les mecs s'arrêtent jamais, hein, j'ai envie de te dire, hein. Attends, parce que du coup, on a 5 minutes juste à tenir. Est-ce que ça va vraiment tenir? Tu l'as attends, où, l'heure? Faudrait monter sur les toits, là. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, t'as raison. Aïe. J'ai pas vu où tu voyais l'heure, par contre. En bas à droite. En bas à droite, ouais, t'as une petite voir, okay. lune, et puis ouais, t'as l'heure. Ouais, monte tout de suite sur le bus. Juste... Voilà, parce que moi, tout à l'heure, j'ai croisé le hurleur, là, et j'ai paniqué. Il est juste à côté. Ouais, il voilà. a deux doigts d'hurler. Oh, c'est bon, hein. Il nous a pas vu, je pense, t'inquiète. Ouais. Ça va bien se passer. Il y a un point d'interrogation en face, c'est quoi? C'est une planque? Pense. Ah, conteneur d'inhibiteur là, encore vers notre zone. Je sais pas comment tu les vois, les conteneurs d'inhibiteur. Moi, je les vois pas. Alors, moi, en fait, là, c'est la là, voie qui mecs, me dit qu'il y a un conteneur d'inhibiteur. Et en bas à gauche, à côté de tes armes et tout ça, t'as pas un truc avec marqué 22 ah, mètres si. Tu le vois? Bah, ouais. C'est ça, en fait. Et ça, en gros, c'est ce qui t'explique dans le tuto au début. Que tu as dû bien suivre, bien évidemment. Ah bah oui, là je deux suis heures à de fond, tuto, hein. C'était pas trop long. Et du coup, regarde, bah c'est juste là. Oh, trop bien. Bah vas-y, à toi l'honneur. Bon, à nous deux, hein, de toute façon. Normalement, c'est doublé. Sœurs d'immunité, chapeau de médecin. Tiens, on a pas de chapeau en plus, je crois. Et bah, inhibiteur tiens. Légendaire. C'est moi ou on en a eu deux en un coup? Bah ouais, moi j'en ai deux perso. Et du coup, il en manque plus qu'un. Oh, superbe casquette, hein. Plus qu'un, et on pourra améliorer du coup soit l'endurance, soit la santé. Et ça va aussi améliorer, n'oublions pas, l'immunité, donc le temps qu'on peut passer dans le noir. Ça, c'est pas mal quand même. Ouais. Il m'a fait peur, lui. Et du coup, la casquette équipée auto? Ouais, let's go. Ouais. Ok. Bah. Donc, j'ai vu qu'il y avait un... Ah, mais c'est le logo du moulin. Mais juste à côté du moulin. Ah, mais c'est le truc qu'on avait essayé de faire la dernière fois et qu'on pouvait pas, je crois. Ah, ouais, on essayait de monter, là. Ouais. Ok, bon, on va aller à la quête, du coup, qui est vraiment pas loin non plus, en fait. Oh là, bonjour. J'ai toujours peur de tomber à chaque fois, je sais pas pourquoi. Ah, attends, parce qu'il y a un logo sur la quête, avec la lune. Est-ce qu'il y a un... Il faut oh, bah, y aller ici. À un moment précis. Ouais, c'est juste là, déjà. C'est pas loin, hein. Ouais, non, franchement, le trajet était court. Je sais pas s'il faut y aller à un moment précis. Oh, ça a l'air bon. Conne. Hey, t'es un meilleur grimpeur qu'une folle que je connaissais. Bon sang, c'était quelque chose. Elle voulait même grimper le plus haut bâtiment de la ville, la tour VNC. C'était une de tes épouses? Presque, mais trop colérique, même à mon goût. Et ce passage vers le centre? Bien, écoute, de ce toit tu vois clairement la base des pacificateurs. Ok. On est quoi? Et ensuite? Ouais, vas-y. Tu voulais faire le truc? Non, je le disais, mais ouais, on peut mater ensuite. Ok. Donc tu m'as amené ici pour jeter un œil aux pacificateurs? Les pacificateurs sont ton ticket pour le centre. Et je te l'ai dit, le seul moyen d'y arriver, c'est de traverser les tunnels du métro. Je vais entrer et attirer leur attention loin de la plateforme. Ensuite, tu entreras dans la station technique du métro. Il y a un sas là-bas. On le prendra ensemble jusqu'à la boucle centrale. On peut pas simplement leur demander de me laisser passer? Non, y a aucune chance. Pour l'instant, chaque nouveau visage est un suspect potentiel du meurtre de leur commandant. Ils me connaissent. Je fais du commerce avec eux parfois. Je livre des lampes ou des marchandises des zones sombres. On peut toujours tomber sur quelques infectés là-bas, mais rien qu'un pèlerin ne puisse pas gérer. Quand tu arriveras à la station principale, dis-le-moi. Maintenant, il faut aller dormir. Tu sortiras plus tard dans la nuit, quand il y aura moins d'infectés dans les tunnels. Ah, donc il fallait bien le faire de nuit, en fait, j'ai l'impression. Bah ouais, parce que là, tu sortiras plus tard dans la nuit, donc... Bon, après, c'est pas grave, ça doit lancer la cinématique, je pense, et ça va être bon. Par contre, est-ce que toi aussi, tu lis alors qu'il parle en français ou pas? Oui. Je peux pas m'empêcher de lire les dialogues. Ouais, pareil. Hein? Oula. Hakon, je vois une créature que j'avais jamais vue auparavant. Elle ressemble à quoi? Pas grosse, mais super rapide. Sûrement un esquiveur. On trouve des trucs intéressants sur eux.
Mais pour en choper un, il faut de bonnes compétences de chasse. Là, c'est pas vraiment le moment pour ça. Va au tunnel. Ok, ça c'est juste pour te dire, sur les zombies spéciaux, tu peux avoir des loot plus rares et tout. Ouais, je pense aussi. Mais c'est pas la mission, donc on le fait si on veut, mais voilà quoi. Ok, il y a une cassette, moi je l'ai piquée. Hein. Quoi, pardon, oui, là, j'avoue, j'ai rien pris moi. Là sur la table, il y avait une cassette, je l'ai piquée. C'est tout okay, ce que j'ai pris, il y a rien d'autre. Très bien. Ah, moi je vois des trucs que je prends instant, hein, si c'est devant nous. Ah, mais t'as raison. Hein. Allez, vas-y. Hein. Du coup. Attends, pourquoi on a un truc optionnel en bleu? C'est quoi le bleu? J'ai une quête en bleu. Ouais, moi aussi, je vois. C'est dans quoi? C'est activité peut-être? Non, je sais pas. Comment je sais laquelle c'est? Ça, c'est la quête suivie. Ça, c'est les quêtes terminées, ok. Donc, c'est forcément dans activité, je pense. Planque de traceur nocturne. Hein. Je sais pas. C'est à 60 mètres seulement. C'est comme tu veux, on va... Ah mais c'est 19 mètres en dessous. Attends, c'est quoi ça du coup? Non, je pense qu'on va faire la trame principale. On va voir déjà, vu qu'on est pas loin, ouais, on est à 20 mètres. La principale, c'est pour le tunnel direct. Ouais, ouais, ok. Ah, là, du coup, il est nouveau 20h. Ouais. Ouais, autant faire ça, j'avoue, le temps qu'il fait nuit et que... Allez, let's go. Ça se trouve, la bleue, ça va nous y amener en plus après. On va voir. Je tente. Vas-y. Ah, ça ne marche absolument pas. Ça marche toujours pas. Vas-y. Ah, c'est le crochetage, mince. Ouais. T'inquiète. Oh là. Bonjour madame. Bah, cover alors. Ouais, t'inquiète. C'est un difficile, j'ai pas vu. Intermédiaire. Ah, je vais te casser. Je vais te casser. Ah, j'étais. C'est quasiment pourtant. Il commence à y avoir un peu de monde, hein. Panique pas. Hein. C'est bon, eh ben. Il y a du monde. Je suis en train d'ouvrir derrière, on va pouvoir y aller. Okay. Dis-moi, pas si ouvert. C'est bon, viens, viens, viens. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Est-ce qu'ils peuvent me tomber dessus? Bah, ouais, totalement. Oh. T'as sauté? T'es descendu? T'es tombé. Ah, oh, c'est bon, c'est un sac poubelle. Ah, ok. Ça fait pas mal. Ok, nice, ouais, j'ai pas osé. Très bien. J'ai eu trop peur. Ah, j'ai eu peur pour toi aussi, c'est pour ça que j'y allais lentement. Ah, okay, c'est un bien. Accident. On y va. Ouais, les casiers ici, ils s'ouvrent. Ah, en bas. En haut, en bas. Il y a de loot. Ok. Il y a rien là-bas. Non. Il y a un zombie de l'autre côté du mur, par contre. Ok. Du loot dans la petite caisse là. Là, il y a une porte. Ouais, soit à droite, soit à gauche. Verrouillé. Okay. Il y a une trappe là-haut, ok, on va pouvoir monter. Ouais, il n'y a rien ici, hein. On va pouvoir monter direct. What? Comment ton perso il marche? C'est très bizarre. Attends, regarde, tu me vois comment je marche? Je vois ton cul, ouais. Ouais, c'est ça, ça fait... Par contre, j'avoue que c'est bizarre, j'avoue. Il se déplace trop bizarrement, le perso. J'avoue que... C'est particulier, tu m'étonnes qu'on galère. Tu sais qu'on va avoir un problème, hein. Il faut qu'on... En vrai, limite le loot, tant pis. Ah, je pouvais faire élimination. C'est bon. Ah, voilà, bien joué. Ah, on aurait dû jouer discrètement, en fait. Ils sont allongés, là, j'avais pas vu, ils dorment. Ah, ah, c'est bon. Les autres dorment, c'est bon. Presque bon. On va vite avancer, parce que c'est à cause de l'immunité que je dis ça. On va peut-être pas prendre le temps de trop looter, en fait. Ouais, t'inquiète. On va être trop loin, sinon. Je suis dans le tunnel. Ok, maintenant, fais attention aux infectés, il pourrait y en avoir quelques-uns. Ou quelques dizaines. Ça me bute, il y a une différence entre quelques-uns et quelques dizaines. Je suis dans la base du pacificateur. Ouais. Je vais lancer une fusée éclairant UV par le conduit et tu verras comment atteindre la station principale. D'accord. Là-bas. Normalement, on a une seringue qui doit nous permettre de tenir plus longtemps. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ouais, t'attends, mais... Ah non, c'est bon. Après, ça nous a dit utiliser des champs UV pour... Ah, tu vois les champignons bleus? Je crois que ça remonte notre immunité, ça aussi. Ah! Parce que j'ai des champignons bleus sur moi, je crois. Enfin, un. Bah, je vais en looter ici. Vas-y, direct. Vas-y, prends-en un. Moi, je vais le prendre maintenant. Ah, t'as raison, champi UV. J'avoue que t'as très certainement raison. Voyons voir. C'est où, du coup, que tu les utilises? Pour les équiper, bah, c'est dans ton inventaire, du coup. Mais alors, je sais pas... Ah, c'est ça, champi UV, ok. Champi UV naturel... aidera à éviter l'infection, voyons voir. Si je fais
Bah là, je l'ai équipé. En fait, ça te remonte 30 secondes, c'est tout? Une trentaine de secondes? Ah, 30 secondes, c'est énorme, hein, déjà. Alors, on va voir comment je l'équipe. J'ai juste le temps de trouver comment l'équiper. C'est, bah, c'est ça, en fait, le temps, déjà, moi, je l'ai perdu, le okay. truc. C'est bon, c'est bon. Bien vu, en tout cas. Merci. T'inquiète, il m'a pas vu. Ah, vas-y, je vais courir. Hein. Salut. C'est par où? Crochetage facile. Là. Oh non, 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 ah, non, non, non. Vas-y, fais-le. Bah, va falloir que tu couvres, tu veux gérer? T'inquiète. Voilà, ça se passe trop bien. Vas-y, vas-y. J'y vais, j'y vais. C'est bon, c'est ouvert. Viens, viens, viens. Oublie-les, on referme. Prends ma porte. C'est bon. Okay. Super. Pas d'énergie. Ah, pour... ok. Et on va essayer de choper tous les champis qu'on peut, hein. Du coup, il y en a un peu plus loin. Là, il y a une caisse. Je sais pas si ça peut nous servir. Des câbles, des cigarettes. On peut là, se là, mettre la passe à droite. Dedans. Ouais. Ouais, voilà. Exactement. Ah bah justement, elle nous dit d'utiliser des champis UV. Ah bah tant mieux. Faible. Ok, j'en ai plus par contre, il y en avait derrière, non, qu'on a pas récup. Ah, j'en c'est ai vu tout à l'heure en passant. Ah bah là, il y en a là, sinon. Il n'y avait pas derrière aussi. Bon, laisse tomber. En vrai, on va pas perdre de temps là-dessus. Si je il me va sens... voir, lui, à droite. Si je dois me transformer, je fais confiance pour me terminer. Ouais, ça marche. Fais-moi confiance. Ouais, fais-moi confiance. Ouais. Te tuer, bien sûr. Et franchement, ça va se passer, je pense. Hein. Pas très loin. Juste là. Là. Il y a un champi à gauche. Hein. Je vais aller plutôt sur la gauche. C'est cool, récupérer. Ouais, longe à gauche, je pense. De toute façon, c'est ce qui est le mieux. Oh, on a une caisse sur la gauche après aussi. On doit avoir le temps, on va aller juste là. Ok, il y a de l'aspirine. Ok. Je vais reprendre un champi. Je vais m'en prendre plusieurs, hein, tant pis. Okay. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Hein. Ouais, par contre, t'as vu que le truc à UV le plus proche est à genre le bus. 80 non, mètres quasiment. Viens là, viens là. Moi, j'aurais ouvert le bus, je serais passé par là. Ouais, j'ai vu les champis à gauche, du coup, j'y suis allé, mais ah oui, t'as sûrement raison. Vas-y, j'arrive. J'essaie d'ouvrir la porte. C'est bon. C'est quand tu veux. Vas-y. Il y a tellement de loot en fait dans ce jeu, c'est ça, ça t'oblige à t'arrêter trop longtemps si tu veux vraiment tout looter. Ouais. Les zones UV là, non? C'est de l'UV ça. Regarde, ça remonte. Bacon, super. Ah, la fusée éclairante. Regarde autour de toi. Le tunnel technique vers la station principale devrait être bien éclairé. J'ai déjà attiré les gardes à l'étage. Je vais discuter avec eux pendant que tu entres. Il y a une énorme caisse là en face. T'as vu? Là. Ouais ouais. J'arrivais. Oh, une batte cloutée. Ah, ça peut être cool ça par contre. Ça fait plaisir. Ah, encore que, ouais, la qualité a pas l'air folle mais. C'est toujours ça de prix hein. Mmh. Oh, bah surtout merde. Toi qui les vends toutes là tes armes. Oui. Oh non. Oh là là. Akon, j'ai un problème. Akon. En bas, il y avait marqué petit problème. Hein. Lui, il a dit problème tout court. À noter. Hein. Je me cache chez moi. Ouais, ouais, va te cacher, t'inquiète. T'es où? Mais t'es où? Ah, t'es là-bas. Mais t'es un fou. C'est bon, il est mort.
Mais sérieux? Par contre, c'était incroyable le move avec le coup de pied, ça rend tellement les combats dynamiques, mais c'est un truc de fou. Ah ouais? Tu sais, parce qu'en gros, je suis passé par-dessus l'obstacle. Ouais. Tu sais, ici, je suis monté comme ça, et du coup, en tapant, ça donne un coup de pied. Ah! Ah, mais d'ailleurs, pareil, on avait appris le coup de sauter, viser un ennemi et donner un coup de pied aussi. Oui. On avait appris ça la dernière fois aussi à utiliser. Mais tu vois, ça, ça, ce que je viens de faire, on nous l'avait appris en le faisant sur un ennemi qui était en mode un petit peu stun, mais tu vois. C'est vrai que ça marche très bien aussi avec les éléments stylé, du décor. Du coup, hein. Ah non, c'est pour toi, c'est du crochetage. Très très stylé, ouais, au final. Fort sympathique. Ouais, non, les combats sont avant vraiment... Attends, avant de rentrer, prends l'UV là. Mets-toi un coup sur l'UV. Ouais, pas bête. Sinon, on se recharge à fond. Pas bête, pas bête. Ah, ça recharge pas. Et celui-là? Moi, ça recharge pas. Ah bon? Non. J'avoue que ça recharge plus. Tu non plus? Non. On va peut-être y aller alors. Ouais, peut-être, ouais, let's go. Hein. Prochain UV, 50 mètres vers là-bas sinon. Tiens, vas-y, c'est du crochet. Je pense que c'est une lampe. Ah bah attends. Ah bah c'est bon. Ah, voilà. Bon, okay, y a sorte de aussi. Checkpoint en fait qu'on a là. Ouais, ah, au-dessus, viens. Regarde, tu vas me voir passer en première. Regarde, regarde. Ma démarche magnifique. Ouais, je te vois. J'ai vraiment la tête bien placée quoi. Non mais attends, attends, arrête-toi un peu. Comme ça tu vas voir. Non mais oui, non mais je sais. Tu c'est prends ridicule. Un temps d'arrêt. C'est what the fuck, hein. Bah c'est bizarre, ouais. En tout cas, personnellement, je marcherais peut-être pas forcément comme ça, quoi, dans les conduits. Bah moi non plus. C'est pour ça qu'on est si lent. Ça serait pas ma méthode, quoi. Y'a quelqu'un. Y'a de l'UV, là aussi, hein. Ouais. De toute façon, ah, on est full recharge. Oui, on est bien, mais... Allez, vas-y. Repasse devant. Allez. Je passe. C'est pour ça qu'on est si lent, tu m'étonnes. Oula. Hakon, je suis à l'intérieur. 5 paquets. Vous réfléchissez et je reviendrai. Pas mal ces petites caisses là. Attends. Je suis sur la plateforme. Ouvre le sas. J'y serai dans une seconde. Le sas. À droite, il y a des... Ah, objectif mis à jour, c'est à gauche. Mais après, on peut aller, si tu veux looter des... On oula peut tout fouiller. Qu'est-ce que t'as trouvé? T'as des pièces. Des pièces. Attends, vite. Il y a des poubelles et tout, fouille, hein, parce que je me dis, c'est pas négligeable. Hein. Non, mais attends, ça va super loin, en fait. Parce que je te dis, ce jeu, en vrai, si tu prends vraiment le temps de tout fouiller, tu passes limite plus de temps à fouiller qu'à faire autre chose. Parce qu'on va le faire rapidement, on fouille quelques trucs. Et... Oui, après, c'est bon. On va avancer. De toute façon, il n'y a rien de primordial. Bah là, par contre, de mon côté, il y a des sacs, si jamais. Ok, ça peut être intéressant, par contre. Là, il y a des petits sacs. Oui, après, les poubelles, je vais pas toutes les faire. Ouais, vas-y, je vais aller ouvrir. Idem. T'as vu, il y a une tente à droite? Ouais, y'a que dalle. Ah, bah il faut qu'on soit de toute façon. Je suis là. Vas-y. Merde. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Ah. Ah. Bon, il m'a assommé, mais normalement, toi, tu vas bien. Hein. Figure-toi qu'il m'a assommé avec. Il se baladait dans les tunnels. De la putain de racaille du bazar. Ou plutôt un espion renégat. Ouais, il a pas la tête d'un renégat. Il est réveillé. Le nombre de fois où on se fait assommer par contre. C'est abusé, hein. On a une casquette. Qu'est-ce que tu fais dans notre base? J'essaie juste de me rendre au centre de la ville. Le centre? Le tunnel restera fermé tant que vous n'aurez pas balancé les meurtriers de Lucas. Sale vermine. Comment est-il possible que personne n'ait rien vu, rien entendu, et que vous ayez soudain oublié l'interdiction de passer? On pourrait commencer par te couper les mains? Pour te rafraîchir la mémoire, hein? Qu'est-ce que tu faisais il y a 4 jours? Je suis un pèlerin.
Il y a 4 jours, j'étais à des centaines de kilomètres d'ici. Ça suffit, Anderson. On a besoin de la vérité. Et tu l'obtiendras pas par la force. Mais, commandant Lucas disait toujours... C'est moi qui commande. T'as lu les rapports ? Un pèlerin s'est récemment pointé au bazar. On dirait qu'il ment pas. Non, je mens pas, monsieur. Laissez-nous, sergent. Que la vérité. Je veux lui parler en privé. Bon, je pense que là, on va avoir des questions. Bah, déjà, on est libre. On peut les tabasser et on peut partir. D'où est-ce que tu viens ? De Crossdale River. C'est à plus de 1500 km d'ici. En fait, c'est à plus de 2000. Les ponts de l'autoroute se sont effondrés, il n'y a pas de chemin direct. Et t'as réussi à arriver jusqu'ici. Impressionnant. Comment ça se passe dehors en ce moment ? Oh bah, tout va bien, hein. Franchement, c'est le meilleur moment. On lui dit quoi ? Ça remonte à quand, la dernière fois où t'es sorti de la ville ? Bah ouais, demande-lui, ça remonte à quand qu'il est sorti, parce que c'est bizarre, le mec, okay. Il a aucune info. C'était quand la dernière fois que t'étais hors de la ville ? Environ 15 ans. Ah. Alors, il y a beaucoup moins de survivants. Et beaucoup plus d'infectés. C'est logique. La plupart des gens supportent de vivre dans cet enfer parce que ce qu'il y a dehors doit être bien pire. Avec ma femme, on vivait en Angleterre. J'avais 2 sœurs et 2 frères. J'ai plus de nouvelles d'eux depuis 10 ans. Où est-ce qu'ils vivaient ? À Londres et dans sa banlieue. D'après ce qu'on m'a dit, Londres n'existe plus. Il reste peut-être 4 camps sur les îles. Putain de merde. Dangereux. Non mais ça n'a aucun sens. Alors moi tu sais que là je n'ai pas les phrases. Ça me met en attente d'autres joueurs. J'ai pas les phrases moi. Je peux dire dangereux, ce qui n'a aucun sens avec ce qu'il vient de nous dire maintenant. Ou alors, et pourquoi tu penses que j'ai tué quelqu'un ? En fait, c'est les 2 phrases qu'on avait tout à l'heure. Ah ! Bon bah vas-y. Hein. Pourquoi tu penses qu'on a tué quelqu'un ? Pourquoi j'aurais tué votre commandant ? T'as cherché à t'enfuir vers la boucle centrale 4 jours après le meurtre. Et puis, si j'étais Karl, j'embaucherais un étranger pour tuer Lucas. La manière la plus propre. Eh ben, je sais pas qui est Karl. Tu le verras bien assez tôt. Karl, c'est pas le genre à quitter la route des yeux. C'est un connard soi-disant moralisateur qui retourne le bazar contre nous. Alors même qu'on les protège. Dangereux. C'est comment en dehors des murs ? On sait jamais quand ça va vous tomber dessus, sans parler des territoires à explorer et des nouvelles menaces. Et t'es venu pour te mettre à l'abri ? Je suis venu parce que je cherche quelqu'un. Et on dit que pas mal de monde a survécu à Vildor. Tu cherches quelqu'un ? Je peux peut-être t'aider. Mais pas gratuitement. J'ai l'habitude. Dis toujours. Pas de bêtises. C'est bon. Le tunnel reste fermé tant que j'aurai pas trouvé le meurtrier de notre commandant. Le commandant Lucas. On a retrouvé son corps au bazar. Atrocement mutilé. Les gens du bazar nous facilitent pas la tâche. Ils sont fiers et fidèles. Ils refusent de dénoncer qui que ce soit. Mais le commandant perd patience. J'ai des ordres qui viennent d'en haut, pèlerin. Si les habitants du vieux Vildor ne scannent pas rapidement, notre armée viendra ici et réduira en cendres le bazar. Je préférerais éviter ça. Qu'est-ce qu'il te faut ? Lucas avait une arme. Un point américain assez rare, surnommé Lazare. C'est la clé si on veut trouver le tueur. Si t'entends un truc sur le Lazare, préviens-moi. Je te promets que je te revaudrai ça. Il vaut un paquet. Et on l'a pas retrouvé sur lui. Je pense qu'un habitant du bazar l'a peut-être récupéré. D'accord. Bon, par contre, les dialogues, bon, là, ça reprend, ok, mais là, les 2 dialogues qu'on a eu avant, c'était juste les autres, en fait, qui nous ont refait faire ceux du début, et ça n'avait aucun sens, parce qu'on ne nous posait même plus la question, donc j'avoue que c'est un peu bizarre. Hein. Bah, en fait, j'ai l'impression que ceux qui sont en jaune-orange, eh bah, c'est celui qui est obligatoire, et puis le blanc, c'est juste en plus, quoi. Ah, peut-être, ouais. Ok, on va lui dire, je peux essayer, alors. Bah oui, vas-y. Sûrement le mec avec la farine plâtre, là, qu'il l'a. Si j'y parviens, vous me laisserez accéder au centre ? C'est pas aussi simple. Vildor a beaucoup souffert. La ville a d'abord été isolée du reste du monde à cause de l'infection, et puis les murs l'ont sauvée. Mais les gens ont appris à se méfier. J'ouvrirai pas le tunnel tant que j'aurai pas le tueur. Mais si tu trouves le Lazare, je m'en souviendrai. Tu seras le premier à passer quand justice aura été faite. Ce serait bien que tu ne meurs pas d'ici là, quoi. On dirait que j'ai pas trop le choix.
Je vais essayer. J'ai l'impression qu'on va pouvoir lui mettre à l'envers quand même. Pose des questions. Et ne reviens pas les mains. Moi, je sais pas. C'est en mode. Vu que chacun de nos choix impacte dans le jeu. Ouais, peut-être. Mais après, le côté. Tu sais, oui, je te revaudrais ça plus tard dans un monde post-apo où tout le monde peut mourir du jour au lendemain. Ça, j'aime pas trop. J'aime bien qu'on me donne les choses de suite. Ah oui, c'est sûr. Hein. Au cas où. De pas faire les choses pour rien. Par contre, Attends, comment ça, zone sécurisée, c'est quoi? C'est ici? Ici, c'est une zone sécure. Ouais, bah du coup, ouais, regarde. Attends, si j'ouvre. Ah non. Bonjour. Ah bah oui! Bonjour! Alors. Si je zoome, dézoome, c'est différent, ouais. Ah ouais, c'est là, ok. Oh, c'est en fait, c'est une gare, ouais. C'est joli. Hé, hey, Hakon, t'es là? Hé, hey, mon pote, c'est bien que tu sois vivant. Ouais, j'ai été chopé et interrogé. Bon, ils t'ont pas tué. Retrouve-moi dehors. Ok, du coup, il doit y avoir des marchands et tout, là aussi. C'était quoi ce bruit? C'est pour nous donner le point, non? Où il était? Mais où est notre... Du coup, normalement, on a une planque, là. C'est là-bas, je vois le logo, c'est ça? C'est en bas? Ce serait étonnant, non? Non, non, mais je pense... Ouais, non, attends. Si je zoome, c'est vers là, hein, mais... Par contre, là, il y a des sacs et tout. Attends, peut-être que c'est là. Bonjour, ah ouais, y a quelqu'un? Ah non, tu peux juste piquer un sac. Ouais, le logo sur l'interface, c'est l'autre côté. Oui, c'est à l'étage, de toute façon, après. Qu'il faut aller. L'étage, je sais pas. Ah oui, nous, si, pour continuer... Bah, pour la quête, si, c'est... Ouais, je voulais juste voir la planque, mais en vrai, ouais, peu importe. Je pense que la planque est en bas, du coup, c'est par rapport au logo. Tu penses? Bah, vas-y, on y va vite fait, si tu veux qu'on regarde. Par contre, elle est stylée. Bah, c'est sympa, ouais, d'avoir vraiment des planques totalement différentes, tu vois. Ouais, regarde, on est ici, tu vois. Quand j'arrive. Là, on a la planque du joueur ici, on peut dormir à côté. Ok, donc ça, c'est nickel. Ah, oui. D'accord. Comme ça, doit avoir des ennemis partout. C'est sympa, hein? Yes. Est-ce que du coup, parce que là, la suite, c'est quoi? Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour cet épisode, justement? En mode, là, la suite, du coup, on va repartir sur autre chose, je pense. Donc, bah, là, je pense que là, passage. En fait, bah là, faut retrouver Icon. Enfin, Icon, pardon. Ah, pour finir quand même cette ouais. Session-là, tu penses? Je veux juste pas qu'on relance, c'est un long truc. Du ouais, coup. Bah ouais. Bah là, c'est écrit parler à Icon. Donc, pour moi, en fait, là, on va juste lui. Ouais, on va juste lui raconter, en fait, ce qui s'est passé. Vas-y, bonjour, on monsieur. Peut ah, il va faire jour en plus, ça va être agréable. J'avoue que là on a tout fait de nuit, hein, aujourd'hui. Ah bah il fait jour. Ah ouais. Quand l'un de nous se fait buter, bonjour. Il doit nous aider. Et quand c'est leur commandant, sinon, il y aurait c'est sympa. Oh. Toujours les petits UV devant là. Par contre, mais j'aime trop le concept. Hein. Oh le bruit. Ils ont vraiment une belle planque par contre. Hein. Ouais, très belle garde. On va voir là sur la map. Ok, on est là. Donc ça c'est le centre de la faction. Ça c'était le bazar du coup là-bas. Ok. En fait, c'est vraiment chaque secteur a un quartier général, en gros. Ouais. Oh, mais il est là. Yep. Il était vraiment pas loin. Ils t'ont pas fait mal. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait? Bah, il m'a demandé de l'aider. Hector a dit qu'il me laisserait accéder au centre. Si je l'aide. Quoi? Et t'es censé faire quoi pour lui? Il veut que je trouve l'arme de Lucas, le Lazare. Elle a disparu de la scène de crime. Il pense que ça l'aidera à démasquer le tueur. Le Lazare, hein? Un joli point américain, non? Je connais un gars qui échange des objets volés et d'autres trucs qu'il récupère auprès des voleurs. Un receleur? Un receleur à mi-temps, un arnaqueur à plein temps. Un ingénu aussi, tiens. Il a la moitié de la ville au cul pour des dettes en ce moment. Si quelqu'un à Ville d'Or était assez fou pour acheter une arme de pacificateur, ça serait lui. C'est quoi son nom? Hubert Kerbatsos, aussi connu sous le nom de Ubi la Poisse. Il s'installe tous les jours près du moulin à vent. Et il attend les clients. Il vend sûrement de l'alcool et de l'herbe au pacificateur. Si tu veux trouver le Lazare, parle à Ubi. Je vais chercher d'autres pistes. Ok, on reste en contact. Ok, le moulin c'est quoi? C'est pas l'endroit où on avait été déjà l'autre fois? Bah je pense. Là-bas hein. Où il y avait une zone à récupérer en plus. Ok, objectif mis à jour. Et du trouver coup c'est Hubert. Ça. Ouais, ça va être ça. Trouver le il point est où, américain. À combien Hubert? 131 mètres. Ah c'est de l'autre côté en fait. Ouais mais en vrai t'as plein de moulins de toute façon. Sur la map. Ouais, il y a pas mal okay. de zones. Hein. 130 mètres. Bah écoute, on fera ça la prochaine fois du coup. Comme ça on s'arrête dans la planque et on pourra repartir de là. C'est ça, t'as raison. Vas-y, on va faire ça, ça comme ça au moins on va être tranquille. Par contre, comme je me ça, lasse bah pas voilà. Le jeu, aujourd'hui, vraiment.
Ouais, franchement, s'il est... aujourd'hui, c'était objectif bah, aller dans le métro pour essayer de passer dans les tunnels. Et la prochaine fois, bah, objectif, point américain.